Nous allons maintenant suivre la lecture de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 16 à 25. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons partager la parole du Seigneur avec un sujet que j'ai beaucoup réfléchi si je devais vraiment le présenter. Lorsque le pasteur m'a invité, ça fait déjà quelques mois, bien sûr, on prie, on demande au Seigneur quel message je dois apporter. Et après quelques réflexions, quelques jours, ou des fois quelques semaines, quelque chose, un sujet nous vient à l'esprit. Et c'est ce sujet-là qui est venu à mon esprit. Mais ensuite, je me suis dit, mais parler des souffrances, déjà le samedi, c'est un jour béni, c'est un jour de repos, c'est un jour qui est saint. c'est un jour de fête. C'est Dieu qui a travaillé les six jours, pas l'homme. C'est les jours dès l'éternel, ce n'est pas notre jour. Nous sommes invités dans les jours des fêtes de Dieu. C'est son jour à lui. Et c'est un jour comme l'anniversaire d'une personne. On ne veut pas que les invités viennent se plante, pleurer, raconter. On dit on va faire la fête et après on va voir ça. C'est un jour des fêtes aujourd'hui. Et c'est ça les samedis, c'est ça les sabbats d'un esprit de Dieu. Alors, je ne, vais, je ne vais pas me présenter devant vous avec un sujet de souffrance. Nous connaissons déjà, nous vivons déjà, nous voyons les nouvelles. Mais nous sommes là pour présenter un sujet d'espoir. Parler de souffrance, mais du côté de l'espoir. Et le titre que j'ai donné, c'est souffrance présente face au bonheur à venir mais bien sûr que pour parler des souffrances c'est pour ça que j'étais hésitant. qui suis-je est-ce que je connais vraiment la souffrance il y a des personnes et à mon âge j'ai déjà vu des gens qui souffrent véritablement ou qu'on a entendu parler. moi aussi j'ai déjà souffert comme beaucoup parmi vous. bien sûr qu'une souffrance ne peut pas être comparée à une autre physique, morale, spirituelle, qui sais-je. Mais ce n'est pas parce que peut-être je n'ai pas connu des souffrances terribles comme certaines personnes qui vivent encore ou qui nous écoutent, qui sont en train de vivre des fois des souffrances entre la vie et la mort, qu'on ne peut pas nous encourager. Et ce message, c'est aussi pour moi parce que j'essaie de les mettre en pratique. Des fois, quand il y a une souffrance, des fois la souffrance n'est pas énorme, mais il ne suffit pas des grandes choses pour qu'on se sente vraiment mal. Et quand je pense à ces versets, dernièrement, je suis en train de penser beaucoup à ces versets. Lorsque Paul a dit, les souffrances présentes ne sont pas à être comparées avec ce qui nous attend. Et pourquoi il a dit ça? C'est ça qui... Va être au cœur de notre message aujourd'hui. Pourquoi Paul a dit cela Est-ce qu'il a dit juste comme ça pour nous encourager Est-ce qu'il parce qu'il a vraiment vécu Comment sait-il qu'est-ce qui nous attend La Bible ne nous décrit pas beaucoup la Nouvelle Terre. Et des fois, c'est par des symboles, même de l'Ancien Testament. Et au Nouveau Testament, nous avons juste l'Apocalypse. Mais il n'y a pas de description, qu'est-ce qu'on va faire La Bible parle des rois, de la terre, comment sera la vie sur la planète On sera des milliards. Comment sera la vie Après un million d'années, dix millions, un milliard d'années, ça, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Est-ce que notre cerveau va réussir à garder autant de données déjà Comment ça va se faire est-ce que nous allons partir pour habiter d'autres planètes On ne sait pas. Mais nous devons rester avec quelques éléments que la Bible nous, nous présente. Et ça, je peux vous dire, ça fait beaucoup de bien, comme nous allons voir. Dans une première partie, je vais vous présenter quelques textes bibliques qui nous parlent des personnes qui ont véritablement connu la souffrance, divers degrés de souffrance. Toutes des personnes qui marchaient avec Dieu. Il ne faut pas penser que ah, nous sommes avec le Seigneur, mon frère, avec le Seigneur, confiance, tout. Non. Moi aussi, j'ai pensé à ça quand j'étais jeune. Et je me souviens un jour que j'étais jeune, avant la trentaine, que j'ai passé une leçon de l'école du sabbat. Et je ne sais pas pourquoi, la leçon parlait des dépressions, je ne sais pas quoi. J'ai dit oui, euh, pour éviter si on. On a vraiment confiance au Seigneur, ça peut nous éviter. quelqu'un qui, qui connaissait un peu psychologue dit euh, Non, mais même si on est avec le Seigneur, on peut tomber en dépression. C'est une maladie, ça peut être une question euh, euh, d'hormones, de, 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 une question voilà, familiale, euh, euh, même avec la foi. J'étais un peu comme ça, je n'ai pas discuté, mais avec le temps, j'ai vu que oui et même la bible nous parle de cela on peut être avec dieu avoir une foi incroyable on peut vouloir la mort on veut on peut souhaiter le suicide on peut tomber en dépression profonde même avec dieu et là nous avons tous besoin des uns, les uns des autres alors je vais vous donner quelques exemples que nous connaissons, peut-être pas tout le monde, mais nous allons afficher, parce qu'il faut se mettre dans l'esprit que des hommes, parce que la Bible parle des hommes hein, que Dieu utilisait, qui ont même demandé la mort, des hommes d'un très, très, très haut niveau spirituel, qui ont dit, Seigneur, j'en ai assez, je vais mourir, tue-moi. Et Dieu n'a jamais réprimandé ces gens. Najadémie dit Mais tu n'as pas honte, j'ai marché avec toi, comment tu fais ça Tu n'as pas la foi Non. Il essaye d'aider la personne. Il essaye même de décharger la personne de sa charge si la personne trouve que sa vie est un peu trop dure. Alors, première partie, pourtant, nous allons voir qu'il y a des souffrances vraiment difficiles. Et même la Bible nous en parle. Pour parler après, revenir sur pourquoi Paul a dit. Et hey, ce qui vous passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui vous attend. Et est-ce que ça peut nous aider? Je ne sais pas. Dans mes petits tracas, oui. Mais il fallait demander à une personne qui souffre vraiment. Quand tu penses à ça, est-ce que ça te fait un petit bien quand même? Et mon ambition, j'ai même écrit ici, hein, ce que nous allons montrer aujourd'hui, ce n'est pas une solution définitive. Ce n'est pas quelque chose de magique, ça n'existe pas. La seule solution à la souffrance, c'est l'héritage retour du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune personne qui a vécu dans les mondes bibliques que Dieu a dit vous voyez la personne a vécu sans problème. Après qu'elle a marché avec moi, voilà, elle était dans la confiance. Personne. Tout le monde souffrait, mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout, et c'est ça qui compte pour nous. La première personne, c'est Noé. On va faire par euh, la généalogie. Noé, c'est un homme que la Bible appelle un héros de la foi, Hébreu 11, 7, prédicateur de la justice, 1 Pierre 2, 5, Genèse 7, 1. C'est une personne qui avait fait tout conforme ce que Dieu lui avait demandé. La Bible nous dit en Genèse 6, 22. Parfait. Vous connaissez l'histoire, la planète était complètement désorganisée, les hommes étaient vraiment corrompus comme on ne peut même pas imaginer. Toute la, toute la planète, tout ce qui respire, les plantes, les animaux, les hommes, tout était détourné, je ne sais pas s'ils mélangeaient les choses. Et Dieu dit, ça ne peut pas continuer, ça ne peut plus continuer comme cela. Si ça continue, il n'y plus d'êtres humains. Il n'aura que ces monstres, ces animaux, ces plantes-là que je n'ai pas créées. Alors Noé avertit les monde. Je vais donner 120 ans. S'il si ne change pas, voilà. Et Noé va préparer une arche. Et pendant ces temps, il demande aux gens de changer. Mais les gens ne vont pas changer. Il entre dans l'arche avec ses trois enfants. La Bible donne l'âge. La, la, de Noé. Et si la Bible nous donne certaines données, c'est pour qu'on réfléchisse. La Bible dit qu'il avait 600 ans quand il est entré dans l'arche. Les hommes vivaient beaucoup plus à cette époque. Et pourquoi la Bible nous donne l'âge de Noé Elle Dit que ses enfants avaient une centaine d'années, trois, avec trois belles filles. C'est pour nous dire Ça c'est les chapitres 6 7 8. Dans les chapitres 4 Cinq. Vous avez la généalogie des hommes à l'époque, depuis Adam. Adam avait 130 ans lorsqu'il a eu sept, son troisième enfant. Et si vous regardez, tous les hommes ont des enfants à partir d'une centaine d'années, 150, 150 ans en moyenne. Noé a, 500, a 600 ans quand il a trois enfants. Ses enfants sont nés quand il avait 500 ans. Il n'avait pas de stérilité à l'époque. Qu'est-ce que ça nous indique? Qu Noé a perdu au moins quatre générations d'enfants au déluge. Parce que normalement, il a commencé à avoir des enfants à l'âge de 150 ans. Il a plusieurs générations, plusieurs générations de petits enfants qu'il a entendu les cris. Et c'est pour ça que la Bible dit que dans l'architecture de l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte par l'extérieur. Sinon, il n'aurait pas la force, il l'aurait ouvert. Et la Bible dit que Dieu a fermé la porte. Imaginez-vous, dans la tête, on ne peut pas s'arrêter ici, ce pas la prédication, mais la Bible, nous devons toujours réfléchir. Il est là dans l'arche avec sa femme et il entend les cris des gens qui vont, tous ces gens qui sont en train de mourir qu'il appelle par son nom, peut-être papy, papa, je ne sais pas. Et ça va hanter toute sa vie. Et ce qui compte pour nous, c'est ce que la Bible nous dit, dans les chapitres après 9, il n'a réussi à convaincre personne. Zéro, 120 ans. Et des fois, on dit oui, mais ces trois enfants, déjà un pasteur qui sauve ces enfants. Arrêtons avec ça. Quelqu'un qui va étudier pour être un pasteur, qui va être pasteur pendant 40 ans, c'est l'âge du ministère, qui à la fin des 40 ans n'a baptisé personne, n'a réussi à présenter, à convaincre personne à donner sa vie au Christ, est-ce qu'il sera content si ces trois enfants adolescents, parce que les enfants de Noé à 100 ans, c'est adolescent. seraient avec lui. Est-ce qu'il va dire, j'ai réussi mon ministère Non. Il est triste. Mais ce n'est pas sa faute. C'est parce que les gens étaient super méchants. Paul n'a rien réussi à Athènes. Parce que la ville était très intellectuelle, rationnelle. Il a fait une prédication devant l'aéropage, devant les philosophes. Et il a parlé de Jésus de résurrection. Quel a été le résultat? Il a fondé une église à Athènes. Il n'y en a pas d'église à Athènes. Les gens dit qu'est-ce que c'est perroquet? La Bible dit ça. Qu'est-ce que c'est perroquet nous parle là? Ils ont rigolé de Paul. Qu'est-ce que Jésus a réussi à Jérusalem Rien. On l'a mis sur la croix. En Galilée, là, auprès des gens qui n'étudiaient pas beaucoup, il a bien réussi. Mais à Jérusalem, la capitale, avec les grands prêtres intellectuels, rien. Des fois, ce n'est pas la faute. Mais nous pouvons imaginer qu'Inoël pensé peut-être que je n'ai pas fait bien mon travail. Déjà, même mes enfants, mes petits-enfants ne sont pas là. Et qu'est-ce qu'il va faire C'est ça qui compte pour nous. Chapitre 9, 20, 21, dit qu'il va planter il est agriculteur il va cultiver une vigne et quand on est frustré qu'est-ce qu'on fait pourquoi la bible nous dit qu'il s'est enivré c'est juste pour nous dire qu'il s'est enivré ça arrive david peut-être qui buvait aussi et salomon ils ont juste dit qu'il ne faut pas trop boire depuis, depuis le matin mais la boisson alcoolique dans la bible ça existe et personne ne voit pas david ivre là et ni si la bible nous raconte c'est pour nous dire qu'il était frustré il faut juste s'imaginer ce qu'il a vécu le reste de ses jours il n'a rien réussi dans sa tête un homme de dieu qui dieu a dit tu as fait exactement mais Combien de fois nous avons la culpabilité, c'est une souffrance aussi. Qu'on n'arrive pas à maintenir quelques relations, quelque chose. Des fois, ce n'est pas nous la faute, mais nous pensons. Et ça, c'est une souffrance. Pourtant, Noé, les premiers, on ne va pas s'attarder, c'est juste vous donner un tableau. Un homme, un homme de six niveaux tombe dans une telle, un tel état. Comment est-ce qu'il a vécu les restants de ses jours est-ce qu'il était toujours adonné à donner à l'alcool? Est-ce qu'il est tombé dans l'alcoolisme? Des fois, on ne veut pas imaginer ça, mais c'est dans la Bible. Peut-être qu'il a lutté. Juste, il est sauvé. Et on va les trouver dans l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il a galéré? Ensuite, nous avons Job. Vous connaissez tous. Il a perdu dix enfants les mêmes jours dans un désastre. Dix enfants, tous ses enfants. Il a perdu aussi, avec une tempête du feu du ciel, il a perdu son troupeau. Beaucoup de ses employés sont morts, attaqués aussi par des bandits. Et ensuite, il tombe malade, tout son corps est couvert de maladies. Qu'il s'égrattait avec des tuiles, il était angoissé. La Bible dit qu'il dit, il sentait tellement mal qu'il appelait encore quelqu'un pour venir l'aider. Les gens fouillaient loin de lui. C'était une personne morte vivante. Et il craque. Et pourtant, c'était l'homme le plus parfait qui existait à l'époque. C'est même Dieu qui a dit il n'y a personne sur la terre comme Job. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Job 3, 1 à 12, 19 et 25 à 27. Pour ceux qui veulent voir après. Il a dit, maudit soient les jours de ma naissance. Et il fait tout un poème. Pourquoi il a eu le soleil, pourquoi il a eu de, de mêle pour m'allaiter je devrais être mort comme en, en avortant, Qui ces jours-là disparaissent du calendrier. Mais il dit aussi dans le chapitre 19, j'ai confiance que mon sauveur va me faire revenir encore. Voilà, tous ces hommes, ça pouvait être des femmes, ils sont au fond du puits, mais ils n'abandonnent jamais Dieu. Ils ne disent jamais, Seigneur, je ne veux plus jamais, je ne veux plus rien avec toi. Des fois, ils veulent même mourir, mais ils ne disent pas, je t'abandonne. Ça, c'est une leçon pour nous. Nous avons droit à être au fond du puits. Nous avons le droit de dire, Seigneur, sincèrement. Mais. Il faut toujours se répéter une chose. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi tu ne me réponds pas, mais je sais que tu m'aimes. Ça, c'est la force de David. Laissons un devoir de maison. Un jour, un samedi de pluie, que vous n'avez rien à faire, prenez une concordance biblique, un ordinateur, et regardez tous les psaumes de David. Où il s'est plan. Il y en a des tonnes. Il dit Seigneur, où tu es Pourquoi tu ne me réponds pas Il finit toujours, mais j'ai confiance en toi. Seigneur, tu es mon rocher. Il n'y a aucun psaume qu'il finit. Oui, j'ai perdu l'espoir. De toute façon, Seigneur, à quoi ça sert Aucun. Il s'est plan, il s'est plan. On va aller voir ici, trois ou quatre. Il s'est du gros. Hein On reste juste sur le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne va me manquer. On va voir. Mais il finit toujours, j'ai confiance, j'ai confiance. C'est Jésus sur la croix, mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. C'est ça l'exercice que nous devons faire. Parce que peut-être moi ou vous, nous allons subir des souffrances qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et que Dieu semble loin. Mais j'ai fait cet exercice et c'est un jour je passe par là. Seigneur, que je me souvienne que tu as envoyé ton fils unique pour me sauver. Je ne peux pas tout expliquer, mais j'ai décidé de faire confiance. Aide-moi. Je ne sais pas si je vais le faire toujours. Mais aide-moi, Seigneur, à garder cette confiance. Un jour, tu vas m'expliquer. Un autre cas, c'est Moïse. Le Moïse qui est au ciel. Coucou Moïse, peut-être qu'il m'écoute maintenant, je ne sais pas. Il est là, un homme qui a marché avec Dieu, qui a vu la lumière de Dieu, qui brillait tellement qu'il devait mettre un voile, qui parlait face à face avec Dieu. Il a craqué, il a dit à Dieu, tue-moi, s'il te plaît, je n'en peux plus. Et là, nous allons voir, nous allons lire Nombre 11, 14 à 15. C'est intéressant quand est-ce qu'il dit ça. Nombre, c'est 40 ans après qu'ils sont sortis d'Égypte. De, de, de de, de, Ça fait 40 ans qu'il est au dessert, qu'il est avec Dieu, qu'il a une grande confiance. Mais il est fatigué de ce peuple qui n'arrête pas de se plaindre. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour souhaiter la mort. Des fois, c'est des confusions à la maison, des confusions au travail. Combien de personnes se suicident Des policiers, des gens au travail. Parce que les patrons mettent la pression et des gens se suicident. Ça, c'est une souffrance. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire Je ne puis pas à moi seul porter tous ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Il parle à Dieu. Hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Au fond, il dit Seigneur, s'il te plaît, fais-moi la faveur. Si tu m'aimes, tue-moi. Comme ça, ma souffrance va finir parce que je n'en peux plus là. Et pourtant, à certains moments, Dieu avait dit pour tester, allez Moïse, c'est moi qui ai perdu la patience, je vais tuer tout le monde, et je vais tout commencer. Moïse, non Seigneur, s'il te plaît, calme-toi. C'est Moïse qui calme Dieu. Hein Bien sûr que Dieu testait Moïse. Mais là, c'est lui qui dit, Seigneur, tu as raison, allez, tue-moi. Euh, au lieu de tuer les peuples, tue-moi. Et Dieu ne va rien. Réprimander Moïse, il va l'aider. L'autre c'est David, Psaume 13, 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque, jusque à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse, sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? « Jusque à quand aurais-je souci dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Ces « David »-là, on ne les connaît pas. Hein? On connaît le « David » qui est toujours fort. Mais c'est David »-là, on ne peut pas imaginer toute la vie de « David hein? ». Si vous prenez, il y a eu des horreurs dans la vie de « David ». On connaît juste les David qui a regardé là une personne, ça c'est rien par rapport à tout ce qu'il a subi d'autres choses. Un enfant qui tue l'autre et il viole, et il y a des tout dans la vie de David. D'ailleurs, il est mort très tôt, 70 ans, c'est très tôt, tellement il était fatigué des souffrances. Et la Bible dit qu'il était un vieillard, 70 ans, c'est pas très vieux quand même. Il était là, qu'il n'arrivait même plus à s'échauffer, son corps était dégangolé. Tellement il a subi des souffrances et Dieu ne les répondait pas toujours. Psaume 22, 2 à 5. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le sang, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié à nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Il criait à toi. Et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi. Et ils n'étaient point confus. Voilà, Seigneur, à l'époque des juges, ils faisaient des bêtises. Ils criaient Tu envoyais un sauveur. Alors, là, tu envoyais des choses. À moi, rien. Combien de fois nous disons aussi Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est moi qui souffre autant Il y a des gens qui ne souffrent pas comme moi. On compare les choses. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'il dit, j'ai écrit jour et nuit, et tu ne me réponds pas, je ne sens pas le confort. Pourquoi C'est un autre message qu'il faut préparer. Et je ne sais pas si j'aurai la réponse. Mais Dieu ne répondait pas David. Et Jésus va venir de l'ADN de David, parce que Jésus aussi allait passer par des moments où il n'aurait pas de réponse. Et il fallait faire confiance. Et d'ailleurs, le dernier acte de Jésus, c'est mourir sans réponse. Pourquoi m'as-tu abandonné Nous le savons, nous le savons, mais Jésus ne savait pas. Pourquoi Dieu a abandonné Jésus Parce qu'il a payé pour moi. Il est mort, cette mort. Il y est le châtiment du péché. Dieu se retire. Tu meurs sans espoir de revenir. Tu as décidé, mon fils, de mourir pour les gens. Oui, alors il faut que je te laisse mourir sans espoir. La première mort, c'est une mort, conséquence naturelle du péché. On meurt avec un espoir. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui ont des cancers, des maladies. Surtout des pasteurs, on entend parler, il est mort euh, en toute confiance au Seigneur. Il s'est reposé dans le Seigneur, il est parti en paix, souffrait, criait comme un fou, mais il, il est parti tranquillement en confiant au Seigneur. C'est vrai, la douleur était là, mais il n'a pas crié, mon Dieu, je suis abandonné, je suis perdu. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui est mort comme ça? Et heureusement, je n'ai jamais entendu. Parce que tout le monde est mort avec un espoir, pas Jésus. Et David est là dans ces moments. Psaume 6, 2 à 6. Dernier exemple de David, pour moi, c'est le plus fort. Et pitié de moi. J'ai une peine quand je lis ces psaumes, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vivre ça. Aie pitié de moi, éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand Reviens, éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts c'est là que j'ai de la peine maintenant. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, dans ma couche, est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Ça, c'est souffrance. Je n'ai pas vécu ça et j'espère ne jamais vivre. J'ai déjà passé des nuits un peu inquiètes. mais pas ça. J'ai beaucoup de respect, peut-être qu'ici, des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui savent quest ce que ça veut dire. Ils prient aussi. Ils ne se sentent pas soulagés comme David. Pourquoi Je ne sais pas si j'étais Dieu ici, une personne que j'aime beaucoup, et même une personne que je ne connais pas trop, qui disait, Rivan, s'il te plaît, toi qui es là-haut, tu es un Dieu, Dieu est quand même, aide-moi, Rivan. Je n'arrive plus, je craque là, soulage un peu mon cœur. Je ne pourrais pas ne pas le faire. Et des fois, Dieu ne les fait pas. Et nous devons garder confiance. Et nous devons garder confiance. Élie, qui avait lutté contre les prophètes de Balta, vous savez, hein, il avait même fait descendre du feu du ciel. Il luttait contre Jézabel, qui c'est une reine phénicienne qui avait, qui avait fait venir 850 pasteurs de, de, pour présenter les dieux Baal à Israël. Elle voulait remplacer les dieux d'Israël par Baal, avec 850 prophètes. Et elle voulait tuer tous les pasteurs, tous les prophètes du véritable Dieu. Ils se cachait, même Élie devait se cacher, c'était terrible. Et un jour, Dieu envoie... Élie à la montagne pour faire un concours. Si Dieu est Dieu, il va envoyer du ciel. Si c'est Baal, le dieu du feu, le dieu de la pluie, c'est lui qui va envoyer la pluie. OK, on est d'accord. Vous connaissez l'histoire, les concours. Les prophètes de Baal n'arrivent pas à faire Baal envoyer les feux et la pluie, mais Élie envoie les feux et la pluie. Et les prophètes sont tués. La même nuit, Jézabel a su. Elle a dit quoi? Envoie un message à Élie. Je veux que mes dieux me châtissent, si demain je ne vais pas faire avec toi ce que tu as fait avec mes prophètes. Je vais te tuer. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Alors qu'il avait affronté 850 hommes, il prend la fuite. Ah, cette femme-là est terrible. Cette Jézabel, il prend la fuite. Il court 40 jours et 40 nuits vers le désert pour se cacher. Et il est tellement fatigué physiquement. Et vous savez, hein, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais la fatigue peut amener aussi à, à tristesse, dépression, voilà. Il est fatigué et la Bible nous dit, je vais vous lire, 1 Roi 19, 4. Il va s'enfoncer dans les déserts pour se cacher. Puis il alla dans les déserts où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un arbre, et demande, il demanda la mort, en disant, à Dieu, hein? c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Tout le monde, personne ne veut se tuer, mais demande à Dieu de les tuer. Hein? C'est trop facile, là. Hein? Personne ne veut prendre la responsabilité. Allez Dieu, tue-moi. Il ne rigole pas là, hein? il ne rigole pas. Il voulait vraiment la mort. Il était déprimé, il dormait tout le temps. Et un ange vient, lui donne à manger, boit, allez, mange à nouveau. Et après, Dieu va se présenter à lui, dire oui, du calme. Ok, tu ne veux plus être prophète, tu vas mettre, tu vas euh, rendre Élisée à ta place, pas de problème. Dieu a compris. Dieu n'a pas dit, mais tu as affronté 850 hommes, il y a quoi d'une femme là qui, qui crie, tu, tu as perdu la confiance, mais c'est quoi ça, Élie Dieu ne dit pas ça. Il comprend, il est fatigué, ça fait trois ans et demi que Jésabel est en train de persécuter, qu'il va d'un endroit à l'autre. Il est fatigué. Il ne voit pas les résultats de son travail. Il ne voit pas les résultats de son travail. Tu peux être un ingénieur, un informaticien, un maçon, un électricien. Et des fois, votre profession aussi, ça n'avance pas. Et ça peut amener à tout cela. Toutes les leçons sont là pour nous. Nous avons ensuite euh, juste un dernier, Jonas. Jonas a fait une prédication il a... les gens se sont repentis, mais il ne voulait pas, il voulait que ces gens soient détruits. Dieu ne les détruit pas, il est frustré. Et le soleil commence à taper sur lui. La fatigue physique, il faut faire attention aussi. Des fois, on tombe dans de, certaines situations parce qu'on n'a pas pris soin de notre corps physique, on ne s'est pas bien nourri, on a trop travaillé. Après vient le stress, la fatigue. Seigneur, mais quelle vie misérable, pourquoi tu ne m'aides pas Pourquoi les choses sont comme ça Il faut faire attention aussi. Des fois, on met la faute sur Dieu, des choses que nous devrions régler. Et si Dieu règle pour nous, on ne va pas apprendre la leçon. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Mais des fois, on n'a rien à voir comme Job. Hein? C'est les circonstances de la vie. Et Jonas, Dieu fait pousser un arbre vite. Je ne connais pas Rissam, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un arbre qui monte très vite. Pas un arbre, une plante. Et il est content sous l'ombre là. Imaginez-vous, en Irak, il fait chaud. Hein? Or, Dieu envoie aussi un, une vermine qui pique. Et là, boulou, comme dans les dessins animés, en une seconde, elle, elle meurt. Et la Bible dit, je pense qu'il était chauve comme moi, parce que la Bible dit que les soleils tapait la tête de Jonas. <laughs> C'est un détail intéressant. La Bible tapait la tête de Jonas, et il commençait à perdre connaissance. Moi, si je sors aussi au froid comme ça, un jour j'étais cinq minutes dehors, j'ai attrapé un truc. Il hein faut toujours. Euh... Au soleil aussi. Hein Nous, les chauves, c'est dur. Hein Ce n'est pas déco, hein, une décoration que Dieu a mise sur la tête. Et Jonas, la Bible dit qu'il commençait à s'évanouir, à perdre connaissance. Et qu'est-ce que Jonas va dire Jonas 4, 3 et 9. J'aime beaucoup les livres de Jonas. Parce qu'il est vraiment il, il n'a pas peur de dire les choses à Dieu. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, un autre qui demande à Dieu de les tuer. Car la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas Fais-tu bien d'y à cause du risson? Il répondit, Jonas J'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'est les dernières paroles de Jonas dans son livre, hein? il ne craque pas. Il a dit oui, j'ai raison de vouloir la mort. Point final. Et Dieu n'arrive pas à les convaincre. Et il sera au ciel, hein, notre Jonas. Parce que Jésus a dit, comme au jour de Jonas, ainsi signe de Jonas. Mais ce n'était pas facile pour lui aussi. Et pour compléter notre méditation, pourquoi Paul dit à quelqu'un qui est un tétraplégique là, ça fait peu de temps, j'étais à Paris et un membre d'église m'a dit, tu vas faire une présentation l'après-midi, je ne peux pas venir parce que, excuse-moi, un ami. Parce qu'il a un jeune qui cet été a fait un plongeon dans une piscine et il s'est cassé les coups et il était traplégique. Je vais le visiter avec ma femme. Voilà, j'ai une peine. J'ai une peine. Sincèrement. Un jeune qui est là en pleine santé, et paf Il n'est bouge que les yeux maintenant. Et qui va rester là peut-être 50, 60 ans, je ne sais pas comment. Il y a des choses, et je ne vais pas vous raconter ici, parce que je n'aime pas le sensationnalisme, mais j'ai déjà entendu parler des souffrances, mes amis, qui sont... Vous ne pouvez même pas imaginer, peut-être. Peut-être, si, j'ai dit ça comme ça. Mais c'est des choses que je ne vais pas citer ici, des gens qui, qui sont en train de souffrir. C'est horrible. C'est horrible. Est-ce que si Paul disait à ces personnes-là, hé, hey, cette souffrance-là n'a rien à comparer à ce que tu vas avoir après Moi, je pense que ça aide. Je n'ai pas le temps ici, mais j'aime beaucoup l'astronomie. Je peux vous dire, si je n'étais pas né adventiste ou chrétien, je ne sais pas si j'allais accepter le message. Que Dieu existe, qu'il a créé la Terre. Parce que maintenant, je comprends et j'accepte par la foi et par l'intelligence aussi, par les prophéties et tout. Mais l'univers est tellement grand. Et c'est ça qui nous attend on va travailler pour dieu. si quelqu'un dit, ah, j'ai décroché un stage auprès d'emmanuel de, de macron, là, auprès de, de l'état fédéral en suisse. ah, je travaille avec biden. là, mon fils est en train de faire un essai. c'est bien. travailler pour les présidents des états-unis, c'est toujours bien. c'est ton honneur. mais travailler pour les dieux de l'univers, sa capitale sera ici. Son fils aura mon corps pour l'éternité. C'est une histoire qui, si vous, si vous si vous méditez un peu sur l'astronomie, vous ne croyez pas. Il faut mettre une fois comme ça. Parce que nous avons maintenant des appareils, des super euh, euh, télescopes qui capte la lumière que les étoiles les galaxies ont envoyée, parce que la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Si on allume là, la lumière arrive ici, mais c'est trop rapide. Si on allume la lune, c'est une seconde. Si c'est le soleil, c'est huit minutes pour que la, lue, la lumière arrive ici. Si j'étends maintenant le soleil, pendant huit minutes, la lumière va encore arriver ici. Mais c'est à 300 000 km une seconde. C'est d'ici jusqu'à la lune et une seconde, la lumière. Mais pour arriver à la prochaine étoile après les soleils, il faut voyager 4 années à cette vitesse pour arriver à la prochaine étoile. Pour sortir des notre galaxie, il faut 100 000 pour sortir. Et les télescopes ont capté des lumières des galaxies qui sont à 13 milliards d'années lumière. Si vous prenez cette navette à 300 000 km, une seconde, d'ici à la Lune, une seconde, vous allez arriver à ces étoiles d'ici 13 milliards d'années. Quand vous arrivez là-bas, elles ne sont même plus là parce qu'elles se déplacent, elles sont... Voilà. Et ça, c'est la science. Les astronomes ont dit qu'il y a plus de galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, a 200 milliards de soleils, d'étoiles, sans compter les planètes autour et peut-être des vies. Ils disent qu'il y a plus de galaxies, pas d'étoiles. Hein? Ils ont déjà compté plus de galaxies dans l'univers que de grandes sables sur la Terre. Vous pouvez dire c'est n'importe quoi. Va discuter, faire un doctorat en astronomie, discute, dis qu ce qu'il dit, c'est de bêtise. C'est des choses inimaginables. Et pensez que c'est Dieu qui est venu là pour nous. C'est quoi cette histoire Qu'est-ce que nous avons de si spécial et qui après, cette capitale, cet univers sera ici. C'est pour ça que Paul a dit Ce que tu souffres là, c'est rien, c'est rigolade. Et je ne dis pas ça avec des envoltures. C'est Paul qui dit Je vais les croire, parce que j'ai décidé, sinon je jette la Bible à la poubelle. Si j'ai investi dans la foi, maintenant ça va jusqu'au bout. J'aimerais compléter aujourd'hui par ce que Paul nous a dit. 1 Corinthiens 2, 9. Pourquoi il dit ça Parce qu'il est allé là-haut voir. Dieu savait ce que Paul allait souffrir. Dieu savait qu'il allait être décapité, qu'il allait souffrir. Et pour les soutenir, Dieu a donné une vision. Regarde Paul ce qui t'attend. C'est pour ça qu'il a dit, tout ce qui je passe ici, c'est rien. Parce qu'il avait vu avant ce qu'il attendait. Mais Dieu ne l'a pas autorisé à raconter. C'est ça qui est intéressant. Il a dit, j'ai vu des choses, mais que je ne peux pas vous le dire. Alors pourquoi Dieu l'a montré? Parce que c'était pour lui, pour l'encourager. Et moi, par la foi, je m'accroche à ce qu'il Paul a dit. Je n'ai pas besoin de voir. Je crois qu'il Paul a existé. Je crois qu'il qu est allé là-haut. Et je crois que ce qu'il a dit, c'est merveilleux. Alors je m'accroche. Qu'est-ce que la Bible dit 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne se sont pas montées au cœur. Il pensait que c'était les sièges, hein, pas le cerveau. De l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. L'homme a tellement des fantaisies, il a des films, des touts, d'incroyables. Aucun être humain ne peut jamais faire un film faut qu'il puisse paraître pour montrer ce qui sera la vie après. On, on ne peut même pas, même Hollywood avec toutes ses fantaisies. Si Dieu fait un concours, allez, faites toutes les fantaisies. Dieu va dire, mais. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce que j'aime maintenant, c'est les 2 Corinthiens 12, de 1 à 5. Il va dire qu'il est allé là-haut. Et Dieu lui a montré. Regardons bien, il faut se glorifier. Il dit, OK, cela n'est pas bon, mais vous voulez dire, il discutait avec les gens, hein, qui vous êtes euh, grande chose, on va voir qui est grand là. Hein? Je connais un homme, c'est lui, hein, mais Paul ne veut pas dire directement. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Pour, pour eux, le premier ciel, c'est le ciel bleu. Deuxième, c'est les étoiles. Le troisième, c'est là où Dieu habite. Il n'avait pas septième ciel comme nous avons inventé, c'est juste trois. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici fait jusqu Il y a quatorze ans, troisième ciel. Si je suis dans son corps, je ne sais pas. Si c'est hors de son corps, il ne sait pas s'il est allé physiquement ou son esprit, mais il était là. Et je sais que cet homme, il répète à nouveau, Fut enlevé où Dans les paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer, ou dans d'autres textes, qui, qui aucun homme ne peut répéter, ou qui n'arrive pas, qui n'a pas de mots pour les décrire. Je me glorifierai pourtant de cet homme-là. Et quand on parle des paradis, Luc 23, 43, c'est ce que Jésus a promis à l'homme qui était sur la croix, qui souffrait. Cet homme avait des clous, des clous ici, ça fait très mal. Hein? Des gens qui ont cassé les poignets disent que ça fait très, très mal. C'est une douleur incroyable. Les clous, ce n'était pas ici, c'est ici que les Romains mettaient. Parce qu'ici, ça déchire. C'est là, c'est très dur. On a trouvé dans l'archéologie des gens et aussi au talon, c'est horrible. Ils étaient là, une douleur incroyable. Je ne peut pas se soutenir pour respirer, il faut appuyer sur les pieds, mais ça fait mal. Il pouvait rester deux jours, des fois là. Et Jésus a dit Tu vas être avec moi au paradis. Tiens, il, il a parlé du paradis. Apocalypse 2:7 aussi À celui qui vaincra, je donnerai à manger des l'arbre de vie dans les paradis de Dieu. Et c'est là que nous allons conclure avec Romains 8, 18 qui a été lu ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ces versets 8, 18? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée à nous. L'autre jour, j'ai eu un tracas, je ne sais pas qu ce que c'était. Hein de toute façon, je ne le vous dirai pas. Mais ce n'était pas très sérieux, mais j'étais vraiment énervé ou frustré, je ne sais pas. J'étais vraiment. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ce message. J'ai pensé à ces versets là Et j'ai me suis dit, Rivan, comment joueur de tennis qui doit s'encourager tout seul Rivan, hein. c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Ça vaut la peine, allez. Bien sûr que ce n'est pas suffisant, je vous ai dit, pour tous les genres de souffrances. Non, ce n'est pas une recette facile. C'est une aide. C'est une aide pour nous encourager. Des fois, Dieu va envoyer une personne pour être à côté de vous. Des fois, c'est un traitement médical qui vous manque pour une hormone, je ne sais pas. Mais c'est une aide très précieuse que j'aimerais vous inviter à la mettre en pratique. Un jour, j'ai pensé, je n'ai pas honte de le dire, peut-être que vous aussi, j'ai jamais pensé à enlever ma vie, non, quand même. Pour honorer mes parents et ma famille, et qui, non, jamais. Mais j'ai déjà pensé deux fois, peut-être trois, Seigneur, pourquoi les spermatozoïdes de mon papa n'est pas entré dans une autre un autre spermatozoïde qui ne soit pas moi, un autre qui entre dans l'ovule de ma maman, et je ne serai pas là. voilà. Et le problème est résolu. Je n'ai pas besoin de souffrir. Et après, Dieu me dit, Rivan, à combien de personnes tu as déjà fait du bien Si tu n'avais jamais existé, déjà tes trois enfants n'auraient existé ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Il y a combien de personnes Combien de personnes tu as déjà encouragées Tiens, ce n'est pas grave ça. Il y en a d'autres qui souffrent plus. Et j'ai pensé aussi pour conclure à ce qui nous attend, à toutes ces étoiles, à tous ces mondes que Dieu a créés, qui attendent un jour ma visite. Un jour Dieu va m'envoyer dans une planète. Il va dire, « Ivan, tu vas dans telle planète, à tel endroit, ils connaissent l'histoire de la Terre, ils veulent toucher, voir un être humain qui a vécu dans les péchés, qui a eu confiance en moi, va donner un témoignage là-bas. » Vous avez déjà pensé à ce que cela signifie Exercice pour vous. Quand je vois ces cer certaines histoires qui arrivent et tout le monde crie, ce n'est pas ça que je veux. Hein non mon esprit, ce n'est pas ça d'être honoré, non. Mais vous imaginez, vous allez arriver dans une planète, peut-être qu'il y a 5, 10, 20 milliards de personnes, parfait. On dit oh, Ivan, tu es sur la terre, elle me toucher, tu es un être terrestre, waouh, tu as vu la mort, tu as vu la disgrâce, raconte-nous, regardez, tu vas rester ici, c'est ton hôtel. Le... Tu... Imaginez-vous. Oui, ça fait rigoler, je sais. Ce n'est pas ça ce qui nous attendons, je m'en fiche de ça. C'est honneur. Mais c'est les privilèges que nous aurons. Vous savez ce qui est qu le meilleur quand nous sommes ici? C'est que moi, je vois les visages de tout le monde. Vous ne voyez qu'une seule personne. Et quand je vais, quand je vais passer la porte, il y en a certains qui vont me serrer la main et qui vont dire, ton message m'a parlé. Ce n'est pas moi, c'est le message. Et c'est la seule chose qui me stimule à être là parce que je n'aime pas. Si je pouvais, j'aurais parlé là dans, dans, avec la voix. Je n'ai pas été fait pour me présenter devant les gens. Mais la seule chose qui me stimule d'être là, c'est que j'essaie que quelques personnes vont, vont être caressées par ce message. Et quand je pense qu'un jour, Dieu va m'utiliser pour donner un témoignage, qu'il lui-même ne peut le faire. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui nous attend. Alors que Dieu nous soutienne, que nous puissions euh, nous aider les uns les autres, personne ne peut tout seul affronter la souffrance. Respectons les gens qui craquent. Ne soyons pas, oui, mais tu n'as pas aidé, les courage, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut arrêter avec ça, il faut aider la personne. On n'est pas psychologue, même Dieu ne faisait pas des corrections, des morales. Et que nous puissions tous, parce que je vais continuer à le faire, je vous promets, je ne viens jamais parler ici si je n'essaye pas de mettre en pratique. Je vais continuer à mettre en pratique. Quand les tracas viennent, allez, il va courage. c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, continuons à étudier sa parole pour nous encourager. C'est ma prière, c'est mon souhait, mon encouragement pour vous et pour moi au nom de Jésus.